All right, fait qu'on va commencer tranquillement. Moi, c'est Kimberly Anneau. Je suis coordinatrice et éducatrice communautaire pour l'Association canadienne de la santé mentale. Moi, je suis dans la zone 4, donc je couvre Edmundston. Aujourd'hui, on va parler de prendre soin de soi. Dans la présentation, on va aussi beaucoup parler des burn-out, l'épuisement professionnel. Parce que ça va ensemble, le travail, puis se prendre soin nous-mêmes. Donc, nous autres, on a été fondés en 1918 avec l'Association canadienne de la santé mentale, qui est ACSM. On est un organisme caritatif national qui aide tous les Canadiens à maintenir et à améliorer leur santé mentale. En tant que chef de file national et de champion en matière de santé mentale, l'ACSM aide aux gens à accéder à toutes les ressources communautaires dont tout le monde a besoin pour renforcer la résilience et favoriser le rétablissement à la suite d'une maladie mentale. Donc, on a 18 régions de Nouveau-Brunswick. On a des bureaux à Fredericton, Moncton et Saint-John. Donc, comme que j'ai dit, notre programme, c'est coordinateur en éducation communautaire. C'est un programme provincial, puis le soutien par les pairs. Les pairs, c'est comme ceux qui ont vécu, mettons, une dépression, qui vont parler de leur expérience, qui vont dire ça aux gens. On a les programmes d'emploi qui est Working Strong Together, travaillons ensemble pour la santé mentale. On donne aussi les Working Minds Together, travaillons ensemble nos mentalités, puis Changing Minds, qui est changeons nos mentalités. Donc, normalement, je pose la question, que signifie prendre soin de soi? Puis là, les gens, ils vont participer un petit peu. Mais prendre soin de soi, dans le fond, c'est de prendre soin de son mieux-être, prendre soin de notre santé mentale, parce que tout le monde a une santé mentale. Bon, fait, qu'est-ce que ça signifie prendre soin de soi? C'est prendre des petites mesures pour vivre un mode de vie sain à tous les jours, comme faire de l'exercice physique, bien manger, bouger, avoir des pensées positives. Prendre soin de soi, c'est une partie très importante pour avoir une vie heureuse et saine. Ça fait référence aux activités et aux exercices que nous autres, on va choisir, les activités qu'on aime, qu'on va faire régulièrement pour maintenir et améliorer notre santé et notre bien-être. Ça signifie aussi de ne pas être égoïste. Prendre soin de soi, c'est de penser à nous-mêmes. Il y a beaucoup de gens qui vont penser aux autres avant de penser à eux-mêmes, mais penser à nous-mêmes, c'est vraiment pas égoïste, parce que justement, il faut prendre soin de notre santé mentale, il faut prendre soin de notre physique, il faut prendre soin de nous. On s'assure aussi de mener une vie saine, puis prendre soin de soi, ça veut dire aussi de prendre soin de notre santé mentale, comme que j'ai dit un petit peu avant. La santé mentale, ça peut être influencé par plusieurs expériences de notre vie. La manière qu'on va penser, comment est-ce qu'on va réagir à une situation, notre environnement, notre milieu de travail, on est-tu entouré de bons gens? C'est-tu des gens qui vont nous influencer dans les bonnes directions ou dans des mauvaises directions? Notre condition sociale aussi, puis l'économie. Ça peut jouer sur notre santé mentale, puis sur notre mieux-être. Prendre soin de soi. Rechercher un soutien social. Donc, ça veut dire entourez-vous de bonnes personnes, des personnes qui sont positives, des personnes qui ne vous mettront pas dans le trouble, des personnes qui vont être fières de vous quand vous accomplissez quelque chose. On a des fois des chums, des amis, qu'on va leur dire « j'ai fait ça, ça, ça », puis si vous êtes fiers, mais les autres ne seront pas nécessairement fiers, vont être comme « bof, ok, whatever ». Ça, c'est des gens pas nécessaires dans votre vie. Entourez-vous des gens qui sont capables de vous soutenir, puis de vous féliciter, d'être fiers de vous autres quand vous accomplissez quelque chose. Fait que ça, c'est ça, rechercher un soutien social. Ça peut être n'importe qui, ça peut être votre famille, ça peut être les amis, ça peut même être des collègues de travail. Il y a des gens, des fois, qu'on travaille avec, que vous avez une certaine affinité avec eux autres. Prenez des moments de repos, de détente et de loisirs. Des moments de repos, ça peut être juste prendre un bain relax, allumez-vous des bougies, même méditer. Ça peut être 5 à 10 minutes par jour de faire des méditations. Juste reposez-vous. Puis des fois, si vous savez que le temps vous le permet, une sieste, ça peut faire bien la différence pour se reposer. C'est un petit power snooze, comme on dit, 15-20 minutes, là, des fois, ça rebooste le système. Des loisirs. Là, je comprends, on est dans une pandémie. C'est les activités qu'on faisait avant, on ne peut pas nécessairement les faire. Mais trouvez-vous des loisirs comme, je ne sais pas, aller prendre une marche dans le bois,
aller prendre une marche dans votre quartier, tricoter, si que vous aimez tricoter. Puis il y a des gens qui aiment ça faire aussi des mandalas, des colorier, dessiner, la lecture, n'importe quoi qui vous apporte un plaisir, du bonheur. Faites du FaceTime avec vos amis, avec votre famille, faites des Zooms, faites n'importe quoi, ce qui va vous apporter du bonheur. Laissez aller les responsabilités, la culpabilité et l'anxiété. Très facile à dire, plus dur à faire, mais ça se fait. Des fois, on a une surcharge de travail, on a une surcharge de responsabilités. Il faut savoir mettre les priorités à bonne place, il faut savoir dire non. Puis sentez-vous pas coupable non plus de dire non. C'est normal, on ne peut pas tout faire, on est tous des humains. Puis vous allez voir que si vous êtes capable de dire non, puis si vous êtes capable de gérer vos responsabilités, l'anxiété, elle va prendre moins de place dans votre vie. Ressentez et acceptez vos émotions. Il faut les vivre, nos émotions. Vous avez envie de crier, criez. Criez pas par la tête à votre voisin, là. Mettez, allez prendre une raille dans le char, mettez de la musique, puis lâchez-vous là, criez si vous avez envie de crier. Vous avez envie de pleurer, pleurez. Il faut vivre nos émotions. Vous avez envie de rire, riez. Des fois, juste même, aller regarder des vidéos drôles sur l'Internet, ça peut faire du bien au moral aussi. Puis là, vous allez rire, vous allez vivre votre émotion. Que ce soit la colère, que ce soit la bonne humeur, il faut les vivre. Puis, mais une fois que c'est vécu, acharnez-vous pas sur cette émotion-là pendant 3-4 jours. Non, allez vécu sur le moment, après ça, laissez-la aller. Let it go. Engagez-vous à prendre soin de vous à tous les jours dans tous les aspects de la santé. Ce qui veut dire, mettons, aller prendre une marche de 20 à 30 minutes par jour. Faire de l'exercice, faire des poids, des weights, faire de la méditation, faire du yoga. Ça aussi, ça peut être très bon pour votre santé physique. Puis prendre soin de vous à tous les jours, c'est de bien manger aussi, pas tout le temps manger du fast-food ou ben, aller au McDo ou au Tim. Prenez le temps de faire un bon repas. Permettez-vous d'expérimenter l'amour, la joie, la fierté, la paix, la beauté et l'émerveillement. Donc, vous êtes capable, si vous êtes capable de donner de l'amour, vous êtes capable de donner de la joie, de la fierté, mais vous êtes aussi capable d'en recevoir. Vous avez droit d'en recevoir. Tout le monde a droit à l'amour, tout le monde a droit à la joie. Tout le monde a le droit d'être fier de la personne dont on est. Puis, comme que je disais tantôt, un ami, un chum, une blonde, whatever, exprimer qu'il est fier de vous. Répondez à vos besoins physiques, émotionnels, sociaux et spirituels. Puis, profitez de la vie. Très important de profiter de la vie. On a juste une vie à vivre. Arrêtez pas trop de vous mettre dans le trouble. Ça, des fois, il y en a qui dérapent du chemin, mais on peut tout le temps se remettre dans le droit chemin. Fait, lorsque nos vies sont très occupées, les soins personnels sont la première chose qu'on va sacrifier. Donc, on va être bien plus à se négliger. Les gens pensent souvent qu'ils prennent du temps pour eux-mêmes durant une période occupée ou qu'ils semblent égoïstes. Mais s'occuper de vous, de votre bien-être, ça va vous aider à être plus productif et à prendre soin des autres. Parce que si on n'est pas capable de se prendre soin de nous autres-mêmes, on ne sera jamais capable de prendre soin des autres à 100%. Pensez-vous avant les autres. Ça sonne égoïste, ça sonne un petit peu comme me, myself and I, mais non. Parce que si vous voulez prendre soin de votre meilleur ami, il faut que vous êtes capable de prendre soin de vous en premier. Parce que dans le fond, en fin de la journée, c'est qui ce qui va être là pour vous? C'est toi-même. Qu'est-ce qu'on nous lorsqu'on évite de prendre soin de nous-mêmes? L'épuisement professionnel. Fait que ça, l'épuisement professionnel, c'est un état d'épuisement qui est physique, émotionnel et mental, qui va être causé par une exposition à long terme à des situations de travail trop exigeantes. L'épuisement professionnel, c'est un résultat cumulatif de stress. Donc, si vous n'êtes pas, si qu'à la job, vous en avez trop, vous dites trop souvent oui, vous n'êtes pas capable de juste laisser aller faire une chose à la fois, puis là, vous en faites trois en même temps, vous avez quelque chose à remettre le lendemain matin, puis vous vous demandez où est-ce que vous allez vous garrocher dans tout ça. Bien, ça s'appelle une accumulation de stress qui peut éventuellement aller vous mener à un épuisement professionnel qu'on peut appeler aussi le burn-out. N'importe qui peut en souffrir, mais les recherches vont vous démontrer que le fait de travailler dans des professions exigeant beaucoup de travail et peu de mesures de soutien, tu peux avoir un risque d'épuisement professionnel. Et ainsi réduire l'engagement. Aider les professions telles que les emplois dans les soins de santé, l'enseignement, counseling, car ceci démontre des taux élevés d'épuisement.
On dit aussi les infirmières, les docteurs, les agents correctionnels, les policiers, les ambulanciers. Ça, c'est les enseignants au primaire, au secondaire, même les enseignants à l'université et au collège. Il y en a des fois qui vont trop, tu sais, ça va être trop rushé, vont vivre des situations stressantes, vont vivre des situations traumatisantes aussi, qui peut amener à un épuisement. Parce que moi, personnellement, j'ai travaillé dans un centre correctionnel, j'ai été gardienne de prison. J'en ai vu des gens, mes collègues de travail, aller sur un congé de maladie parce qu'ils n'ont trop vu. C'est un domaine très, 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 très négatif. Donc, quand ce qui a été un domaine négatif, il y a des gens qui ont tendance à devenir négatifs. Ils vont oublier le positif là-dedans aussi. Donc, c'est très important de ne pas faire une accumulation de stress. Puis, qu'est-ce qui pourrait être bon pour éviter d'avoir un épuisement professionnel des fois? Je ne sais pas ce qu'il y en a de vous autres qui vont manger, ils vont dîner à leur bureau, à leur office, là où ils vont travailler. Limiter les heures supplémentaires. Il y a beaucoup de gens qui vont faire de l'overtime. Des fois, l'overtime, ce n'est pas nécessaire. T'sais, oui, des fois, travailler 1 heure ou 2 de plus juste pour se clairer un petit peu du travail qu'on a à faire, mais évitez, faites pas 50 heures d'overtime, mettons. Comme moi, avoir travaillé à la prison, j'étais encore jeune, mais j'étais un petit peu plus jeune. J'étais tough, moi. Moi, j'étais capable d'en faire des heures supplémentaires. Mais à un moment donné, j'ai mis fatiguée, puis à un moment donné, j'ai vu que j'ai pris la pensée plus négative. Limiter les communications électroniques quand ce que vous n'êtes pas au travail. Évitez d'aller prendre vos courriels de la job quand ce que vous êtes à la maison. Puis si que vous avez des vacances accumulées, si vous avez du flex accumulé, prenez-le. Très important de se dire, OK, bon, ben moi, je n'ai pas 30 semaines de vacances, ben je vais en prendre une dans le temps de Noël, je vais prendre 2 semaines de vacances l'été, je vais prendre une couple de jours ici, puis là. C'est pas être égoïste, c'est juste de penser à vous. L'épuisement professionnel, il y a 3 caractéristiques principales. Tu as l'épuisement, tu as le cynisme, puis tu as le manque d'efficacité professionnelle. Donc, l'épuisement, c'est la réduction ou l'épuisement des ressources mentales. Donc, ça veut dire que tu vas te sentir fatigué, tu n'auras plus d'énergie, tu vas être comme ouf. Tu sais, là, des fois, on sent une pression sur nos épaules, on sent une pression dans notre cou. Puis, Caroline, je suis donc bien fatiguée, mais ça, je me suis couchée, j'ai dormi mes heures de travail. Excuse, mes heures de travail, mes heures de sommeil. Le cynisme, c'est l'indifférence ou une attitude distante par rapport à son travail. Donc, ça ne te tente plus d'aller travailler, ton travail te pèse sur le dos. Tu peux avoir une attitude négative envers ton travail. Manque d'efficacité professionnelle, fait que là, tu as tendance à être plus négatif, fait que tu vas moins performer. Puis des fois, tu vas penser que tu es incompétent, tu as une faible estime de toi-même. Tu vas être beaucoup moins productif. Donc, ça, c'est les 3 éléments qu'on a dans un épuisement professionnel. Les signes et les symptômes d'un épuisement. Fait qu'on a physique à gauche, comportement et psychologique. Symptômes physiques, tu es épuisé. L'insomnie ou l'hypersomnie. C'est soit que tu vas trop dormir, puis tu sais, quand tu dors trop, des fois, tu es comme, oh, je suis fatiguée, j'irai me coucher. Ou l'hypersomnie, que tu dors pas en tout. C'est le contraire, excuse. L'insomnie, c'est que tu dors pas. Hypersomnie, c'est que tu dors trop. Excuse-moi. Avoir des maux de tête. Souvent mal à la tête. Souvent mal ici, dans le derrière de la tête. Grincement des dents. Le monde vont serrer la mâchoire, puis vont comme gricher leurs dents. Tension musculaire, tu vas être raide de partout. L'augmentation ou diminution de l'appétit, tu vas soit trop manger ou tu mangeras plus. Susceptibilité accrue à la maladie, ça, c'est pas que tu es fatigué physiquement, que tu vas te péter une crise de cœur. Oui, ça peut, mais plus souvent, c'est que ton système immunitaire va être plus faible. Donc, vous allez pogner un rhume plus facilement, pogner une grippe plus facilement. Fait que ton système est plus faible. L'hygiène personnelle négligée, non entretenue. Tu ne laves plus les cheveux. Un homme qui s'écrase, il se trime, puis là, oh, il se néglige sur sa barbe, il ne coupe pas les cheveux. Une femme qui a coiffé souvent, attends, elle aimait ça, se prendre soin d'elle, ça lui faisait du bien, mais là, on a la repousse qui se longue. Dans le temps de la pandémie, là, ça, je sais qu'on a toute la repousse. Allez vous acheter une peinture au Walmart ou au Superstore, puis ça va faire l'affaire. Donc, ça, c'est les symptômes physiques. Les symptômes comportementaux, excusez,
augmentation de l'usage de drogue et d'alcool. Ça, on voit ça souvent. Les gens qui sont plus stressés, ils vont boire, ils vont se mettre à consommer. Ils vont fumer de la marijuana parce que ça les détend. L'absentéisme va coller un petit peu plus souvent malade, il va être moins là, son rendement ne sera pas nécessairement toujours bon. Il va avoir la colère, tout le temps sur le petit nerf. Ça, c'est comme un petit pétard, ça. Tu vas l'allumer, barre, tu vas bosser. Irritable, tout abstinent. Évitement, il va éviter d'aller voir des collègues, il va éviter, mettons, d'aller dîner entre collègues, éviter ses chums. Impact sur le rendement au travail, donc il va être moins productif. Il va blâmer les autres, il ne blâmera pas lui, mais il va blâmer, moi, c'est à cause de un tel que je fais, que je suis rendu là. Un tel m'a slacké dans mon ouvrage. Va faire des plaintes fréquentes, soit que lui va recevoir des plaintes, lui ou elle, la personne, va recevoir des plaintes, ou qu'elle veut en faire pour aucune raison. Négliger son environnement physique. Désordre dans la maison, il ne faut pas la vaisselle, son bureau va être en train, les papiers vont traîner un petit peu partout. Puis psychologique, capacité réduite de ressentir de l'empathie. Il va être moins empathique. La dépression, le cynisme, ressentiment, anxiété, difficulté de se séparer du travail à la vie personnelle. Très important, qu'est-ce qui se passe à la job, reste à la job, qu'est-ce qui se passe à la maison, reste à la maison. C'est facile à dire, c'est un petit peu plus difficile à faire parce que des fois, bon, tu veux compter qu'est-ce qui arrive dans ta journée à ton conjoint ou à ta conjointe. Une image de soi négative, donc ça veut dire que l'estime de soi va baisser, va être moins confiant, va se trouver moins capable d'atteindre ses objectifs. Des pensées déformées. Donc, c'est tout ou pas tout. C'est noir ou blanc, il n'y a pas de zone gris. Donc, ça, c'est les signes et les symptômes de l'épuisement. Quelles sont les causes de l'épuisement professionnel? Donc, on a le manque de contrôle, les attentes d'emploi vagues, dynamique dysfonctionnelle du milieu du travail, discordance des valeurs, emploi qui tourne mal avec ses champs d'intérêt, conditions extrêmes au travail, donc monotone ou chaotique. Manque de contrôle, c'est qu'est-ce que tu n'as pas le contrôle sur rien. Puis moi, je dis tout le temps, qu'est-ce que tu n'as pas le contrôle, tu ne vas pas rien faire, laisse-la aller. Tu ne faut pas que tu sticks sur cette situation-là. Parce qu'à un moment donné, tu vas venir que tu vas faire un burn-out. Les attentes d'emploi vagues, t'es garoché là, puis là, tu ne sais pas trop, faut-tu que je fasse ça comme ça? C'est-tu mieux de faire ça comme ça? Ben non, c'est quoi mes objectifs? C'est quoi ce que je dois atteindre? C'est vague. Il y a la dynamique dysfonctionnelle, donc des fois, il peut y avoir de l'intimidation au travail. Puis ça, on peut voir ça surtout dans les domaines d'hommes, que les femmes travaillent dans le domaine d'un homme, mettons une femme qui est soudeuse, une femme qui est gardienne de prison, une femme qui est policière. Des fois, ils peuvent subir de l'harcèlement sexuel ou d'intimidation, un rejet aussi. Puis ça peut être le même côté des hommes qui décident d'être un infirmier. Les hommes qui sont coiffeurs. T'sais, on peut voir des fois qu'il peut y avoir de l'intimidation là. Discordance des valeurs. Pas nécessairement les mêmes valeurs qu'on a. Puis ça, si que au bureau, c'est pas vos valeurs, peut-être pensez à changer de job parce que vous allez être malheureux, mais malheureux tout au long de votre carrière. Conditions de travail extrêmes. Extrême au travail, c'est monotone, c'est mettons parce que c'est tout le temps la même routine. Quelqu'un va se tanner d'avoir une routine. Il y a des gens qui aiment ça. Puis ça, hey, je respecte ça. Moi, je trouve que c'est bien correct. Mais moi, je suis une personne qu'il faut que ça roule, puis il faut que j'aie du changement. Puis des fois, quand tu embarques d'une routine, c'est là que ton emploi peut être dangereux. Je vais prendre l'exemple, quand je travaillais à la prison, si on avait le malheur de se rentrer dans une routine, puis quelque chose nous éclatait dans le visage, on était tout comme wow. T'sais, on savait plus trop, là. Fait qu'il ne faut jamais, jamais être dans sa zone de confort parce que tu travailles dans un milieu comme ça. Les facteurs qui augmentent le risque d'épuisement professionnel. Sentiment de pression pour accomplir des grandes quantités de travail. Donc, il en résulte un manque d'équilibre entre le travail et la vie personnelle. La pression pour accomplir des grandes quantités de travail, c'est quand vous en avez trop à faire, là. Puis, vous avez quelque chose à remettre pour le lendemain, puis ça presse, puis c'est pressant.
Mais il y a aussi un truc que je peux vous donner pour ça. Si, mettons, vous savez que vous avez un projet ou n'importe quoi à remettre d'une couple de jours, ben, prenez-vous pas la veille. Essayez d'en faire 10 minutes par jour sur cet ouvrage-là. Peut-être même pas 10 minutes, ben 1 heure ou 2 par jour. Mais pas tout un 8 heures, c'est pour vous rusher là-dedans puis que vous allez être stressé. Il y a des gens qui essayent de plaire à tout le monde. Moi-même, j'ai toujours dit, je plairai pas à tout le monde, c'est impossible. Il y a des gens qui vont m'aimer, puis il y a des gens qui m'aimeront pas. Puis c'est correct. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde, puis tout le monde n'est pas obligé de nous aimer non plus. Fait que des fois, il y a des gens qui essayent trop. Ils essayent de plaire à tout le monde, puis ils essayent de faire ci, ça, puis à un moment donné, ils réalisent qu'ils sont épuisés, ils sont fatigués, ils sont stressés, l'anxiété est sky high. Parce que là, je plais pas à lui, mais là, il faudrait que je peux lui plaire. S'ennuyer ou avoir peur de variété dans son travail. Donc, ça peut être que c'est trop une routine, c'est trop la même routine, ou que justement, s'il n'y a pas de routine là-dedans, puis là, ça fait paniquer la personne. Parce qu'il y a des gens que la routine sont à l'aise là-dedans, puis ils aiment ça, puis c'est correct. Sentiment d'avoir un contrôle minimal sur le travail. Donc, ils ont le sentiment de ne pas avoir le contrôle sur leur travail. Excusez-moi, je voulais comme pas là, qu'est-ce qui était écrit sur mon. Bon. Qu'est-ce que l'usure de compassion? Donc, l'usure de compassion. La capacité réduite d'un soignant d'éprouver de l'intérêt ou de l'empathie vis-à-vis la souffrance des autres. Donc, ça veut dire l'équilibre physique, psychologique et émotionnel est perturbé lorsque nous donnons de nous-mêmes sans avoir la chance de refaire le plein. Tu sais, là, quand on essaye de trop en donner, là, on essaye, puis on essaye, puis on essaye, puis là, bientôt, on n'a plus rien à donner, mais on continue pareil. On est vide. Un char n'avance pas si qui est vide. Si ta lumière est allumée, puis tu as fait plus que 50 km, ton char, il n'avancera plus. Faut que tu te tankes. Ben, le corps humain, c'est la même chose. Faut que tu fies ton corps d'énergie. Ça, c'est que c'est manger des bonnes choses, manger des légumes verts, manger de la viande rouge, de la viande blanche. Là, vous allez, tu sais, faire un plein d'énergie. Reposez-vous. Le repos, c'est très, 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 très important. L'exercice physique aussi, ça va vous. Ça sécrète une hormone, la dopamine, qui est très bon. Tous les soignants sont touchés d'une manière ou d'une autre dans leur vie personnelle ou professionnelle. Ma part, j'en ai comme pu changer. OK. Qu'est-ce que les traumatismes indirects? Bon, dans notre travail, on peut éprouver des événements qui sont traumatisants, soit directement ou indirectement. Parce que l'événement en question vous a été raconté par une autre personne. Ça, j'ai une petite anecdote là-dessus à vous dire. Fait que le fait d'être autour des gens, des animaux qui ou des animaux qui ont fréquemment en détresse, en crise, fait que le traumatisme indirect va changer notre perception du monde. Notre perception de changer. Les traumatismes indirects peuvent se manifester par des pensées dégérantes, des cauchemars, l'évitement, l'hyper-excitation ou l'hypersensibilité. On ne peut pas marcher dans l'eau sans se mouiller, comme on dit. Bon. Fait que ça, là, qu'est-ce que c'est un traumatisme indirect, c'est que les gens vont comme parler, vont dire, hey, moi, j'ai vécu ça. T'es-tu sûr que tu vas aller là-dedans? T'es-tu sûr que c'est ton domaine? Moi, ma mère, elle a travaillé 17 ans dans les prisons. Elle a été agent correctionnel, ensuite, elle a été une programmer. Quand ce que je lui ai dit que je m'en allais faire mon cours en technique correctionnelle et que je vais être une gardienne de prison, la face, elle tombe en bas, elle dit, Kim, t'es-tu certaine de ta shot? Tu vas en avoir des affaires. Puis là, elle essayait de me décourager. Fait que moi, j'ai rentré en prison avec une mentalité de comme, il y a quelqu'un qui va se battre, qui va me battre là-dedans, il y a quelqu'un qui ne me respectera pas, tu sais. J'avais quand même peur, mais j'ai fait ma place, puis j'ai gagné le respect des détenus, j'ai gagné le respect de mes collègues aussi. Mais où c'est comme, mettons, ton collègue va te dire, hey, ouais, moi, j'ai vécu une situation, il y avait du sang partout, puis je te dis, moi, ça n'a pas été fait pour moi, puis non, puis tout, tu vas vivre ça, tu vas trouver la même affaire. Mais ça, tant qu'à avoir ça dans la tête, puis quand le monde parle beaucoup du négatif de la job, ben là, tu vas penser, crime, je suis dans la bonne place, moi-là, là, mais fiez-vous pas sur ce que les gens vont dire. Faites votre propre opinion par vous-même. Fait que c'est un petit peu de ça qu'on parle, qu'est-ce que c'est les traumatismes indirects. C'est des oui-dire, c'est qu'est-ce que les gens vont vous avoir dit. Puis ça peut être, mettons que
Tu rêves de ta job, mais c'est tout le temps des cauchemars. Parce que ça, c'est probablement un signe que ta job n'est pas faite pour toi ou que tu n'es pas bien dans ta job. Il y a quelque chose que tu n'es pas bien, qu'il faudrait que tu parles soit avec des collègues, soit avec un patron. Les rêves, des fois, ça peut être très, très puissant. Votre risque d'épuisement professionnel, d'usure de compassion et de traumatisme indirect. Les facteurs de risque, pensez à votre rôle. Quelles sont les choses qui peuvent augmenter vos risques? Vos risques d'avoir soit un traumatisme indirect ou de faire un burn-out. Trop de travail, pas assez d'heures. On dit souvent pas assez d'heures d'une journée. L'exposition élevée ou fréquente à un traumatisme ou à une crise. Peu de soutien de la part des supérieurs ou des collègues. Puis ça, le soutien, c'est quand même une chose qui est très importante. Parce que quand tu files que tu es toute seule à gérer une situation, à gérer une crise, puis que tu ne peux pas avoir l'aide ou l'appui de tes collègues, ça peut être dur sur le moral, ça peut être très dur sur le système. Puis la communication, c'est très, très, très important. Le manque de limites. Ça aussi, quand tu n'as pas, tu as zéro limite, puis tu ne sais pas trop, là, je peux-tu dépasser cette ligne-là? Je peux-tu, tu sais, faut-tu que je reste là? Le questionnement, quand c'est tout le temps un questionnement, quand tu te demandes, j'ai-tu fait ma bonne chose? J'ai-tu bien fait ça? Fait que ça, c'est le manque de limite. Le manque de ressources. Des fois, il peut nous arriver des choses en job qu'il faudrait aller avoir un counseling, mais là, on ne sait pas qui aller voir. Moi, quand j'étais au centre correctionnel, on avait une personne qui était counseling à chaque événement, chaque code qui arrivait. Il fallait qu'on aille débriefer et parler à une personne. Mais des fois, il y a des milieux de travail qu'ils ne savent pas nécessairement leurs ressources. Puis ça aussi, ça peut être dur sur la morale. Parce que n'importe qui a besoin de parler, surtout pour ta santé mentale et ton mieux-être. Manque de variété ou trop de répétition du travail. Donc, c'est soit si que vous êtes des personnes qui sont « moi, je ne veux pas une routine, moi, je veux que ça roule, ça fait différent tout le temps », mais que vous êtes dans un travail, que c'est la même routine, ça peut être dur sur le moral. Travailler toute seule, ça aussi, ça peut être dur. Qu'est-ce que vous ne voyez pas de monde, vous ne voyez pas de gens, vous êtes autonome, ça peut être dur aussi. À un moment donné, vous vous êtes comme « j'ai-tu un soutien, j'ai-tu un support, j'ai-tu quelqu'un à qui parler ». Avoir des responsabilités supplémentaires en dehors du travail. Si, mettons que vous faites beaucoup de bénévolat, ça peut être épuisant sur quelqu'un. Comme que j'ai dit au début, il faut savoir mettre nos priorités à la bonne place puis nos responsabilités à la bonne place. Justement pour éviter d'avoir un épuisement professionnel ou d'avoir un traumatisme indirect. J'espère que ça fait du bon sens, qu'est-ce que je vous dis. Prévenir l'épuisement professionnel. Donc, les stratégies utiles pour éviter l'épuisement professionnel. Renseignez-vous sur les causes, les symptômes, puis vos symptômes. Moi, je vis un stress, je suis anxieuse, puis je ne dors pas bien. Ça vient de où? C'est quoi la source? C'est quoi la cause de ces symptômes-là? Puis avant de me rendre plus loin, il faut le régler, ce problème-là. Il faut le régler. OK, bien, de où est-ce que ça devient, ça? Posez-vous la question. Trouver et mettre en pratique des stratégies d'adaptation efficaces. Donc, allez consulter, peut-être aussi. Parler à votre boss. OK, moi, j'aurais besoin d'être bien de deux journées de vacances. Ou bien non, juste dire, regarde, moi, je n'y ai trop tout de suite. Est-ce que je peux avoir de l'aide? Demandez de l'aide. Avoir de l'aide, ce n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe, moi, je trouve que c'est bon. T'sais, vous êtes brave, vous êtes capable de demander de l'aide parce que vous en avez besoin. Puis c'est très important de savoir demander de l'aide, de ne pas tout gérer vous-même seul. Apprenez des moyens à vous adapter à votre milieu afin de réduire les situations stressantes. T'sais, adaptez-vous à votre milieu de travail, adaptez-vous à qu'est-ce qui est dangereux pour vous, qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui est mauvais pour vous. Essayez de tout visualiser la situation. Apprenez des moyens de reconnaître vos propres signes et symptômes. Bon. Si quelqu'un vous regarde et vous dit « t'as de l'air fatigué, t'as de l'air brûlé, bien raide, t'sais, ça va-tu? » Quand quelqu'un est capable de le remarquer, ça devrait vous faire comme « oh, OK, il y a quelque chose qui ne va pas en quelque part. » Fait, demandez-vous « j'ai-tu bien dormi? Je dors-tu bien? Je dors-tu toutes mes heures de sommeil? Il me manque-tu quelque chose? J'ai peut-être bien besoin de vitamines. T'sais, manger un orange, j'ai de la vitamine C là-dedans. La vitamine C, la vitamine D, la vitamine E, c'est très bon pour vous autres. Établissez des contacts et formez un bon réseau de soutien. Donc, entourez-vous des bonnes personnes. Vous avez des gens au travail,
que vous avez une bonne relation, gardez ces belles relations-là, communiquez toujours ensemble, demandez leur soutien, leur support. Votre famille aussi, c'est des très bonnes personnes pour vous soutenir et vous donner du support moral dans tout ce que vous faites. Puis vos amis. Il y a des fois, il y a des gens qui n'ont pas nécessairement une bonne relation avec leur famille, mais qui ont des amis en or. Fait que ça aussi, c'est très important. Prenez soin de vous-même régulièrement. Tu sais, comme on dit souvent les femmes, là, a été sa coiffeuse, a été se teindre les cheveux, ah, ça, c'est signe d'un changement. Mais ça, tu sais, pas nécessairement, là. Moi, j'aime bien ça aller sur la coiffeuse et me faire teindre la tête parce que je trouve ça beau, puis j'aime ça, puis je comme, sors de la coiffeuse, t'es comme, ouh, tu t'es refresh. Ben non, aller faire me faire faire les ongles. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime faire. Tu sais, fait que ça, c'est comme ça que je me prends soin physiquement. Allez vous entraîner. Allez, même si que les gyms sont fermés, ils peuvent faire de l'entraînement physique dehors, puis en faire dans la maison, monter des sets de marches. Je vous dis, c'est du cardio, ça, là, monter des marches. Allez courir, allez prendre juste une marche, n'importe quoi, mais prenez soin de vous régulièrement, puis essayez de manger sainement. Puis vous allez voir que ça va affecter sur votre humeur, ça va affecter sur votre mieux-être, sur votre santé mentale, puis vous allez avoir un meilleur rendement à job. Demandez de l'aide aux besoins. Améliorez votre gestion du temps et gérez votre stress. Faites-vous un calendrier au pire. C'est là, comme dans... Sortez-vous une feuille, un agenda, n'importe quoi, puis là, écrivez, OK, là, j'ai ça, ça, ça à faire aujourd'hui, là, je vais faire ça, ça, ça demain, mais mettez-vous une heure à vous, juste pour vous. Comme, si vous avez des enfants, si vous avez... Mais si, mettons, vous êtes une maman monoparentale, attendez peut-être bien que les enfants soient couchés, puis là, allez prendre un bon bain relax. Ou si que le papa, il est présent... Dites au papa, hey, prends soin des enfants une heure, là, moi je vais aller marcher, je vais aller décompresser, je vais aller prendre mon temps pour moi-même. Puis si vous n'avez pas d'enfants, l'heure dans votre journée devrait être facile à prendre. Améliorer votre conciliation travail-vie personnelle. Donc, savez comment diviser votre vie personnelle puis votre vie professionnelle. Mixez pas les deux parce qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte que vous allez juste parler de la job à la maison. Puis ça peut venir à être tannant, puis plate. Puis tu sais, vous n'avez pas d'autres sujets de conversation. Puis si que vous êtes souvent négatif sur vos propos de votre job, il y a des questions à se poser. Apprenez à vous détacher de votre travail. Apprenez à vous connaître. Tu sais, comment nous autres, on se cherchait longtemps, souvent, il y en a encore que des fois, moi, ma mère, à 40 ans, a décidé qu'elle était célibataire, puis a décidé qu'elle changeait de carrière à 40 ans. On ne se connaissait pas encore nécessairement. Mais aujourd'hui, ma mère, c'est la femme la plus heureuse du monde. Elle s'est trouvée un autre mari. Elle a un bel job. Elle enseigne maintenant les cours de justice. Fait que, tu sais, moi, je me dis, il n'y a pas d'âge pour apprendre à se connaître puis à savoir quoi ce qu'on veut, n'importe quel âge. Tu sais, il y en a des fois que après 20 ans, ils sont avec la même personne. Puis là, bah, ils se séparent. Mais ils pensent que leur vie est finie. Au contraire. T'sais, vous pouvez avoir une autre relation. C'est pas terminé. Il y a tout le temps meilleur ailleurs. Pas ailleurs. Il y a tout le temps meilleur qui vous attend. On va dire ça de même. Apprenez c'est quoi ce que j'aime, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi ce qui m'apporte du bonheur. C'est qu'est-ce que je fais quelque chose, c'est quoi ce qui m'amène mon sourire. Apprenez vos valeurs, écrivez vos qualités puis écrivez vos défauts. Puis je vous dis là, c'est facile de se trouver des défauts, mais c'est facile de se trouver des qualités. Puis c'est là que vous allez apprendre à mieux vous connaître aussi. Participez à des activités professionnelles qui vous fournissent un soutien. Donc, là, avantage de prendre soin de soi. Donc, l'avantage de ça, ça va aider à prévenir un épuisement professionnel. Aider à maintenir des relations saines entre vous-même et les autres. Aider à maintenir des limites saines et efficaces avec vous-même et les autres. Puis vous rendre plus efficace. Puis, moi, j'ai toujours dit, si que je ne m'aime pas moi-même, comment je vais faire pour aimer les autres? Comment je vais faire pour donner de l'amour à mon conjoint? C'est comment est-ce que, si que je ne m'aime pas, là, comment, quelle sorte d'amour que lui va recevoir, lui ou elle? T'sais? C'est important de s'aimer nous autres en premier, puis après ça, aimer les autres. Puis vous allez voir, ça va être facile après ça. Puis il y a du monde comme,
Ils vont tout le temps penser aux autres en premier. Ils vont tout le temps aider les autres en premier. Ça va être des super de bonnes personnes pour les autres. Mais dans le fond, là, qu'est-ce qui arrive à la maison, ils sont tout seuls, ils sont malheureux, ces personnes-là. Parce qu'ils ont tellement tout donné à eux autres qu'ils n'ont plus rien pour eux autres. Puis ça ne devrait jamais, jamais arriver. Ça devrait tout avoir pour toi-même. Parce qu'à la fin de la journée, comme j'ai dit tantôt, c'est toi qui va être couché dans ton lit. T'sais, ça ne sera pas ta meilleure chum, ça ne sera pas mon oncle. Okay? Donc, ça, c'est les avantages à prendre soin de nous autres. Mais. Puis, à prendre soin de nous, c'est aussi de savoir se trouver beau, de se trouver belle. Ça l'aide beaucoup à notre estime et à notre confiance en nous-mêmes. Comment puis-je construire un plan afin de me prendre soin? Étape 1. Rémi Ménage. Donc, personnel, social, aide professionnelle et autres. Personnel, comme que j'ai dit tantôt, prenez un bain. Obtenez, si vous avez les moyens, payez-vous un massage. Appliquez-vous de la lotion sur le corps, de la crème, crèmez-vous le corps. Il y a des huiles essentielles, là, des fois, qui peuvent vendre. Là, que ça va vous faire du bien à votre esprit, à votre toute physique, tout ça. Faites-vous couper les cheveux. Faites-vous une nouvelle coupe de cheveux. Faites-vous une nouvelle teinture. Trimez-vous la barbe si vous avez une barbe de 5-6 jours. Regardez une vue, regardez un film que vous aimez, une comédie ou un suspense, comme que vous voulez, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il vous apporte du bonheur? Prenez des vacances. Puis des fois, là, achetez-vous des petits cadeaux. Tu sais, à moi de moi, là, ah, c'est tout un fun à se gâter. Il y a des gens qui gâtent les autres, mais qui oublient de se gâter là-dedans. Et c'est important de se gâter. Dans le social, passez du temps avec vos amis, passez du temps avec votre famille. Là, on est dans une pandémie. C'est exceptionnel, mais FaceTimez vos chums, FaceTimez vos grands-parents, vos matantes, vos mononcles, vos parents. Ayez un contact quand même social. Ce n'est pas à être sur Facebook 24/24. C'est prendre le temps d'avoir votre vie sociale avec vos chums, peu importe. Ça, c'est très important. Puis surtout dans la pandémie qu'on est présentement. Je sais que le contact humain est très important. Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est justement avoir un contact avec les FaceTime, les Zoom, les Skype, name it. Une chum que ça fait, je sais pas, ça fait 2 ans que vous n'avez pas vu, mais que vous avez quand même contact, c'est parlez-y. Parlez-en. Ça va faire du bien. Puis du support, de l'aide professionnelle, informez-vous sur la santé mentale. Informez-vous même sur la maladie mentale. Si que c'est des gens, vous êtes une personne qui a des problèmes de consommation, de dépendance, informez-vous des ressources que vous avez dans votre communauté. Allez à des ateliers, allez, si mettons que vous êtes une personne qui a un problème de boisson, cherchez des pairs, tu sais, des gens qui ont vécu l'alcoolisme et que ça n'en est sorti, des meetings de AA. Puis autre, invitez les participants, comme invitez du monde, à parler avec vous autres, n'importe quoi, qui vous garde là. Je sais pas si c'est aller prendre une marche 30 minutes, go! Allez-y, prendre votre marche. Étape 2, réflexion sur soi-même. Donc là, on a un tableau ici. Fait que mettons, ça serait, quelles sont les activités que je pratique qui sont agréables, enrichissantes et épanouissantes? Fait que là, normalement, vous répondrez à ces questions-là. Y aurait-il d'autres activités que je puisse faire qui seraient agréables ou enrichissantes ou épanouissantes? Fait que, tu sais, ça, c'est toutes des choses. OK, c'est quoi ce que j'aime faire? C'est quoi ce qui m'apporte du bonheur? Comment est-ce que... Y a-t-il des choses que je pourrais faire pour mieux prendre soin de moi-même, mieux prendre soin de ma santé mentale, mieux prendre soin de mon mieux-être? Fait que ça, c'est une réflexion sur soi-même. Y a-t-il des choses que j'ai à améliorer? Y a-t-il des choses que je devrais... Hein? Étape 3, évaluation des pratiques. Donc, te prendre soin de soi, la pratique quotidienne, puis la pratique à essayer. Donc, physique. Faites-vous de l'exercice physique, c'est une pratique quotidienne ou que ça serait une pratique à essayer? Comme moi, mettons, pratique, ça serait la pratique quotidienne pour le physique. Je m'entraîne. Émotionnel. Est-ce que je vis mes émotions? Est-ce que, tu sais, bon, ça serait quotidien. Spirituel, ainsi de suite. Fait que tout comme, mettons, dans le professionnel, c'est votre job, c'est quoi vos points positifs, c'est quoi vos points négatifs, c'est quoi ce que vous aimeriez améliorer. Le social, c'est qui vous entoure. Financier,
Financièrement, est-ce que je suis capable de rejoindre les deux bouts? Ça aussi, les finances, ça peut être un facteur de stress terrible, puis psychologique. L'urgence de prendre soin de soi. Donc, ça, c'est l'outil de prendre soin de moi-même en état d'urgence, mettons. À détendre ou rester calme, c'est-tu nuisible ou c'est utile? T'sais, donc, c'est toutes des choses qu'on peut voir. Mais mon humeur, dans cet incite, mon humeur, y est-tu nuisible ou y est-tu utile? T'sais, j'ai-tu une bonne humeur? J'ai-tu une attitude plus positive ou j'ai une attitude plus négative? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Donc, vous comprenez le principe un petit peu. Excusez, j'ai comme ma petite barre ici que je ne vois pas grand-chose. Bon. Que faire si je suis trop occupée? Bon, on entend ça souvent, là. Ah, je suis trop occupée. Ah, j'ai pas le temps. Ah, bon. Prenez le temps de le faire. T'sais, bon, je suis trop occupée. Faut que je prenne le temps. Et prenez le temps de faire vos choses. Ne réservez pas deux activités en même temps parce que là, vous allez avoir un problème de conflit. Puis là, je vais-tu là? Là, j'ai dit à elle que j'allais, puis j'ai dit à lui que j'allais. C'est quoi ce que je fais? Je vais-tu décevoir les deux? Faites-tu bien de ne pas vous boucler les deux activités en même temps. Soyez préparés, donc soyez prêts. Écoutez votre corps, écoutez les symptômes, écoutez tout qu'est-ce que votre corps, qu'est-ce que votre corps vous parle. Tu sais, là, qu'est-ce que, mettons, vous pognez une grippe ou un rhume, puis là, le mois d'après, vous avez un rhume. Fait que ça, c'est un signe que votre système immunitaire, il commence à être faible. Donc, êtes-vous assez reposé et vous manquez des vitamines, vous manquez des nutriments? Apprenez à vous déconnecter. Les tablettes, les cellulaires, ça, là, des fois, ça serait bon de juste mettre ça de côté puis de passer du temps avec votre famille ou de passer du temps juste avec vous autres-mêmes. Acceptez à être bien avec nous-mêmes. Acceptez à être bien seul. Apprenez quelques solutions saines et rapides. Donc, apprenez à vous accepter puis apprenez à aimer être tout seul avec vous autres-mêmes. Donc, l'autocompassion. Que signifie l'autocompassion? Puis, pourquoi l'autocompassion est-elle pratique? Donc, l'autocompassion, juste, OK. L'autocompassion, c'est être fair avec nous-mêmes, c'est être correct avec nous autres, c'est avoir de la compassion pour nous autres-mêmes. Tu sais, là, on va prendre l'exemple de l'avion. Quand est-ce que vous prenez l'avion, il y a tout le temps un agent de l'air qui va vous dire quoi faire en état d'urgence. Le masque qui tombe, là, mettons que vous avez besoin d'oxygène, ils vont tout le temps dire de vous le mettre à vous autres même avant de le mettre, mettons, à un petit bonhomme de 2 ou 3 ans. OK? Fait que c'est ça. C'est l'importance de le mettre nous en premier. Écoute, tu mets ton masque, après ça, tu mets lui au petit, là, ça va être facile, là, ça va être vite fait. Mais c'est juste pour vous dire, tu sais, je sais pas comment trop l'expliquer, mais c'est juste pour dire que c'est vous autres en premier qui devrez passer tout le temps en premier pour vous autres même. Puis c'est pas égoïste parce que c'est ça que ça devrait être. Comment qu'on peut développer l'autocompassion? Ça, encouragez-vous vous autres même, apprenez à être compatible, comme si vous faites une erreur, c'est correct de faire des erreurs, c'est correct. Blâmez-vous pas tout le temps, puis dites pas. Puis si, mettons, vous avez de la misère à réussir quelque chose, prenez-vous peut-être bien d'une autre manière. Tu sais, il y a jamais juste une méthode, il y en a tout le temps plusieurs des méthodes. Mais acceptez que ça peut peut-être bien vous prendre plus de temps à l'accomplir, mais vous allez finir par l'accomplir. Tu sais, soyez fair avec vous autres même. Réconfortez votre corps. Fidez-le de la bonne nutrition. Puis des fois, là, c'est le fun de tricher un peu là, du comfort food, puis du chocolat, puis de se gâter. Puis c'est bon, tout le monde fait ça. Mais mangez vos légumes, mangez vos fruits, mangez bien, mangez sainement. Puis pour développer l'autocompassion, écrivez-vous une lettre. Je ne sais pas, moi, vous écrivez une lettre tout de suite. Cher Kim, j'aimerais te dire que. Puis là, ça arrive cette lettre-là. Peut-être bien dans un an, relisez cette lettre-là. C'est juste pour vous convaincre, juste pour comme, t'sais, vous êtes une bonne personne. Alors, regardez-vous dans le miroir, dites-vous, je suis belle, je suis beau, je suis bon, je suis bonne, je suis capable. Encouragez-vous, c'est tellement important de pouvoir s'encourager nous-mêmes.
Donnez-vous des encouragements. T'sais, t'es capable, lâche pas, ça va bien aller, t'sais. Puis surtout dans ce temps de pandémie, ça va bien aller. C'est rough, c'est un temps très rough, mais on va passer au travers. C'est une phase, on est tous dans la même situation. Ça va, t'sais. Puis prendre soin de nous autres aussi, c'est très important dans cette pandémie, parce que oui, il y a des gens qui peuvent tomber sur une dépression, il y a des gens qui vont vivre beaucoup, beaucoup d'anxiété, mais c'est très important de ne pas lâcher puis de s'encourager aussi moralement, mentalement. Puis bouger, aller prendre de l'air, je vous dis, c'est très bon pour le moral. Donc, c'est ça qui se termine pour moi. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vais vous quitter là-dessus. Fait que passez une excellente soirée. Puis j'espère que vous allez prendre soin de vous autres. Hein? Prenez un petit 5 minutes ici, puis là, allez prendre une marche, allez prendre la bonne air. Encouragez-vous, regardez-vous dans le miroir, puis dites-le, je suis belle, je suis beau, je suis bon, je suis bonne, je suis capable. All right? Passez une belle soirée. Merci beaucoup.